En politique, le président de l'Association des jeunes pour la paix, la sensibilisation et la citoyenneté, Moussa Djibrine, au cours d'un point de presse hier matin, a invité les partis politiques qui ont refusé de participer au processus devant aboutir aux réformes institutionnelles à revenir sur leurs décisions. Un extrait de ses propos. La JPS regrette le refus de participation de certains leaders politiques au processus de consultation des réformes institutionnelles de l'État en cours. Il faut que les partis politiques de l'opposition fassent un effort pour sortir de cette logique de rupture, de surenchère et de haine pour participer résolument dans une démarche de tolérance démocratique. Parce que l'extrémisme politique ne profite à personne, ni aux partis politiques eux-mêmes, ni au pays, moins encore aux compatriotes. Le souci de la préservation de l'unité nationale et de la stabilité est le souci le plus partagé par tous les Tchadiens. La JPSC déplore la position actuelle adoptée par certains partis politiques de l'opposition et les exhorte à participer et dire librement ce qu'ils pensent et ce qu'ils réclament sur la réforme institutionnelle.